1967, dans ma tête une idée germe. Au Sénégal, je trouve pas mon chemin, donc j'irai prendre celui désert. Mais comment dire à mon père que demain j'irai pas au port, que cette famille de Toubab m'emmène à l'aéroport. Aller simple pour la France, avec un taf de fille au père. À 14 ans, je plie bagage, sans même dire au revoir à mon père. Je me sens si triste, pourtant je pleure pas dans la con. Je pense à mon père et ma mère, partis sans leur bénédiction. Mais c'est pas grave, je leur enverrai des thunes d'Europe, quelques lettres pour mes deux frères et pour mes soeurs, quelques robes. Tout le monde applaudit, et même ma famille d'accueil. Atterrissage à Paris, il fait gris, ça tire la gueule. Les gens sont plus aimables, ici les noirs jouent tous au PMU ou dorment dans la rue, et forcément ça me rend un peu ému. J'ai 18 ans, déjà 4 ans ici, à bosser pour cette famille qui m'obtient ma CIA. Car d'identité nationale, je peux maintenant m'émanciper. Je vais au métro national, je pense au bled. Ouais, à ma vie d'avant, ça fait longtemps que je vois personne et ça me manque évidemment. Cette politique